Marie a exercé la vertu de la force dans deux moments de sa vie, durant sa jeunesse et ensuite au pied de la croix de Jésus. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que la vertu de la force nous aide à être fermes dans la décision de résister aux tentations. Il est vrai que Marie était présente, préservée de la lutte contre la concupiscence par un singulier privilège du Seigneur. Mais elle a dû déployer une énergie et une violence extrême pour conserver son amour à la pureté et à la sobriété, dans un environnement qui n'était pas toujours favorable à une authentique sainteté de vie. Cet exemple que Marie nous donne nous encourage, nous aussi, à proclamer et à vivre les valeurs évangéliques telles que la chasteté avant le mariage et la pureté de cœur, la détermination de Notre-Dame durant sa jeunesse, nous stimule à proclamer notre identité de chrétien avec une fermeté chaque fois que cela est nécessaire. Le Christ nous a dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Ceci signifie qu'aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de prêtres qui soient des hommes forts, des religieux et des religieuses, qui soient radicaux dans leurs choix, leurs convictions, et enfin des laïcs chrétiens qui adhèrent à notre Seigneur Jésus, sans faire aucun compromis, que ce soit avec l'esprit du monde. L'autre grand moment où on peut contempler la force de Marie est au pied de la croix de son Fils. Lors de la Passion, Marie est reine des martyrs. Elle est la reine des martyrs parce que, dans son cœur, elle en a enduré toutes les souffrances que les martyrs pâtissent dans leur corps. Cependant, la Vierge reste aux côtés de son Fils, malgré la douleur qui ronge son cœur de mère. Elle supporte tous les tourments avec décision, car elle sait que c'est de cette manière qu'elle doit coopérer à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre de son Fils Jésus. Que cette présence de Marie au pied de la croix nous anime à ne jamais maudire aucune calamité, mais à tout endurer avec une sainte résignation. Car comme dit un saint prêtre originaire de Pologne, celui qui est particulièrement éprouvé par la souffrance est particulièrement aimé par Dieu. Que le Saint-Esprit nous anime à être toujours humbles et magnanimes comme la Vierge Marie.